équipes exploitées. Alors que de l'autre côté, le premier point qui est certain, c'est votre principale interrogation, c'est est-ce que les crimes seront jugés? Et sur ce plan, aujourd'hui, avec réalisme, en fonction de toutes les informations que je peux avoir, je peux vous dire que jamais nous n'avons été aussi près de la mise en accusation des dirigeants israéliens, politiques et militaires, et que à ce jour, l'option qui se dégage, c'est que la Cour pénale internationale statuera. On rencontre des difficultés dans la procédure. La procédure est complexe, il y a beaucoup d'opposition. C'est la première fois que le peuple de Palestine s'adresse directement à une cour internationale, ce qui est d'ailleurs, ça mérite un regard critique sur les années passées. Ça mérite un regard critique sur les années passées, vu qu'il est absolument anormal qu'un peuple dont tout la problématique est l'atteinte à ses droits n'ait jamais saisi la justice. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation de revendication en disant on demande des choses, on demande simplement le respect de nos droits qui ont été violés. Et on constate comme cela qu'il y a eu des démarches politiques, il y a eu des démarches qui ressemblaient à du droit, mais il n'y a pas eu de démarche juridique effective, vu que l'avis du mur, la question du mur, l'avis de 2004, c'était simplement un avis et ce n'était pas un jugement de condamnation. Donc la première grande évolution, et ça vous devez en être absolument persuadé, c'est qu'il y a actuellement des dirigeants politiques de premier plan qui agissent dans un consensus qui se renforce, qui sont pour dire il faut utiliser l'outil judiciaire. On ne fait pas particulièrement confiance à la Cour pénale internationale, mais c'est le seul outil qui nous existe. Et notre devoir est de faire juger les crimes au nom des victimes, au nom de la loi et au nom du droit international qui est la règle pour tout le monde. De ce point de vue-là, quand j'ai les discussions avec Gaza, ils sont évidemment, c'est aux Palestiniens décidés, et ils sont très clairs là-dessus, c'est d'abord avant tout leur affaire. Mais tout de suite, ils nous rajoutent, le droit, c'est l'arme de tous. Et si on tolère ce qui est fait aux Palestiniens, on accepte que la même chose puisse être faite ailleurs, vu que le droit international, c'est la base de toute la civilisation. Ce qui veut dire que vous manifestez et vous agissez pour les Palestiniens, mais vous agissez pour tous les peuples opprimés et pour la loi de tout le monde. Voilà. Donc on a un encouragement très fort d'aller de l'avant. Sur un plan plus précis pour la procédure, il y a beaucoup de débats sur cette Cour pénale internationale. Bon, elle n'est pas formidable, mais on peut quand même en faire quelque chose et on peut même avoir d'excellents résultats. Il faut agir avec méthode. On entend des choses qui ne sont pas toujours justes. Pour que la Cour se prononce, sans rentrer dans trop de détails, vous avez la compétence et ensuite la plainte qui dépose les crimes. Je prends le premier point qui est celui des crimes parce que c'est le plus simple. Quand on dit crime de guerre, on croit que c'est un discours, que c'est une présentation, que c'est un slogan politique. Or, les crimes de guerre sont définis avec beaucoup de précision dans le statut de la Cour pénale internationale et ces crimes sont définis par rapport à une longue tradition juridique qui date du début du siècle. Donc on vise dans notre plainte des crimes très précis, je peux même vous donner les numéros de tête. C'est par exemple, c'est pour dire qu'on dit c'est un débat politique, non c'est juridique, la preuve, le tir, il y a les crimes de tirer directement sur des civils. Vous avez vu les enfants sur les plages, vous avez vu les écoles qui ont été tirées. Ça c'est l'article 8.2b-1. Voilà, c'est précis, c'est les crimes sur les civils. Ensuite vous avez un autre crime qui est de viser un objectif prétendument militaire ou militaire sans prendre de précautions pour les civils. Donc c'est le fait de dire on aura un objectif ici et on tire. Par exemple, c'est la maison de Ismaël Haniyeh qui est l'ancien Premier ministre et qui est un responsable politique important. Sa maison, et ceux qui sont à la Gaza le connaissent bien parce qu'il nous reçoit chez lui, c'est dans un camp de réfugiés. Quand on tire des bombes de forte puissance sur un camp de réfugiés, on sait qu'on va faire des morts. Il y a eu 16 morts pour détruire sa maison. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième type de crime. Et on a ajouté également les deux crimes de fond qui sont la base de tout, c'est-à-dire la colonisation et le blocus.